Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. Nous nous retrouvons donc dans la dernière partie du chapitre 1 sur Fire Emblem 4. Dans la partie précédente, nous avons découvert que Momfroy et Sandima étaient les comploteurs derrière la guerre d'Isaac et de Grandval. Donc, on va essayer de les défoncer ce chapitre pour avoir la vérité. Sur ce, bonne vidéo. Complot chelou, donc pour résumer vite fait l'histoire, Sigurd, qui est donc un granitien, je sais pas quoi, doit affronter les Verdanites qui sont en fait des. Qui sont fait manipuler par le mec là qui s'appelle Simamon, là, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est des prénoms et des noms de Pokémon et Digimon, bon, c'est pas grave. Bon, on va continuer un petit peu le jeu. Voilà, Aera, ah non, on va pas mettre Aera. On va essayer avec Noïch. On va essayer de faire l'arène avec Noïch. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il va réussir? Oh, il a gagné. Magnifique, il a gagné. Noïch a gagné. Alors, là aussi, il a gagné. Parfait. Noïch, il est très bon. Bon, Noïch, il va juste gagner ce cas-là. Très bien. Après, il gagne plus. Donc là, on fait Blacksmith. Voilà. Il a réparé l'arme. Parfait. Hop, on va continuer tranquillement. Alec, est-ce qu'il va réussir à battre le Sword Master? Non, Alec se fait défoncer, très bien. Finn, est-ce qu'il va battre le. Je sais plus, il doit battre qui, Finn? Myrmidon. Gagné. Maintenant, il doit battre un mec à la hache. Je crois que c'est mort. Voilà, Finn a perdu. Très bien. Hop, on va avancer. Alec, il a perdu. Lex, je crois qu'il c'est un des personnages qui peut largement gagner. Non, il va perdre. Non, non. J'ai rien dit, j'ai dit de la merde. Excusez-moi. Ah non, il a gagné. Bon, c'est magique, hein. Voilà, il gagne, il gagne. Voilà. Ah, il a gagné. Par quel miracle. Là, faut vraiment m'expliquer comment il a gagné, hein. Il avait 42% de toucher l'adversaire, quoi. Bon, là, il a perdu. Très bien. Voilà. Super. Alors, Midir, on va essayer avec Midir maintenant. Mais Midir, je crois que Midir va perdre. Ah bah non, Midir a gagné. Très bien, a gagné un speed. Ça sert à rien. Voilà, Midir a gagné encore une fois. Bon, Midir se fait défoncer par le mec avec Elwind, tu m'étonnes. Il est uber cheaté, donc voilà. On va essayer avec Etlin. Peut-être qu'elle va battre le Myrmidon. Est-ce que Etlin va battre le Myrmidon? Là est la question. Alors. Ah non, c'est même pas le Myrmidon, c'est un mec à la lance, merde. Bon. On va mettre Aera. Aera, on va lui donner la Small Sword, je pense. La Slim Sword, parce que ça a plus de précision. Voilà. Alors, on va essayer. Hop, voilà, un petit combat. Hop, j'ai pas vu les stats qu'elle a augmenté, fais voir. Ouais, skill, Luke, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Bon, Aera, elle pète tout le monde, hein. Elle est très cheatée, Aera. Hop, voilà, elle tape tout le monde, tranquillement. Ah, là, ça va être chaud. Bon, elle a quand même gagné. Enfin, je ne sais quel miracle, elle a pu gagner. Voilà. Ah, voilà. Bon, Aera, elle est très forte, hein, elle a battu tout le monde. Sans aucun problème. Voilà, parfait. Alors, l'armoire. Ok, voilà. On va avancer un petit peu. Diou. Je pense que Diou peut gagner l'arène. Alors, voyons voir. Alors, Diou, ouais, largement. Alors, on va continuer. Ah, son épée s'est cassée. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Attendez 5 secondes. Donc, regardez. Quand l'épée est cassée, vous voyez bien qu'elle a que 30 précision et pèse 30 poids. Donc, niveau esquive, ça fait moins 60 esquives, vous voyez? Donc, c'est pas possible de jouer avec des épées cassées dans ce jeu. Donc voilà. Diou se fait défoncer par le mec à la lance. Parfait. On va continuer un petit peu. Alors. Hop. Ah, warp. Faut voir, ça sert à quoi warp? Ah, warp, c'est pour se téléporter d'un château à un autre. Ok, d'accord. Voilà. Ça sert à ça, warp. En fait, tous les châteaux qu'on a conquéris, on peut se téléporter dans ces châteaux, en fait. Donc voilà. Tuan va choper le bulletin.
Donc juste au nord d'ici, il y a une forêt. Ça s'appelle la forêt des esprits. Il y a très longtemps. Il y a longtemps, je vivais là-bas aussi, dans ce petit hamlet. Bon, je sais pas ça quoi. Hein. Ce village. Isholm. Donc le village là-bas est l'ancienne habitation du Dark Lord, donc du Seigneur Sombre, l'Obtir. Ils ont dit que ça a commencé avec Saint Myra, qui a été exilé par l'Empire pour oser avoir sympathisé avec des hommes mortels. Dans mes anciens jours, il y avait cette femme magnifique qui vivait là-bas, qui s'appelait Sigyn. Donc c'était la dernière héritière du sang de l'Optyr. Voilà. Elle vivait là-bas sous protection. Les villageois faisaient vraiment attention de ne pas laisser le sang de l'Optyr s'étaler dans le monde. Hélas, Sigyn était méfiante de tout ce qui entourait la forêt et l'abandonna. Et donc elle a donc cassé un des commandements. Quelques années plus tard, elle revenait et elle était maintenant enceinte. Personne ne savait qui était le père, cependant. Donc après ça, Sigyn est mort. Et a donné naissance à une fille. De tout ce que j'ai entendu. Donc après ils ont pris soin. The Hamlet Old Prophet. Donc le prophète des Hamlets, je sais pas quoi. A pris soin d'élever sa fille comme si c'était la sienne. Si cette petite fille était encore en vie, elle aurait certainement 17 ou 18 ans maintenant. Il parle certainement de Déidre. Diadora. Donc voilà. Voilà. Alors, hop, on va avancer tranquillement. Hop. Voilà. On va mettre toutes les unités tranquillement une par une. Avancer. Voilà. Tranquillement, tranquillement. Hop. Hop là. Voilà. Bon, vous voyez bien aussi que les cavaliers se déplacent très très mal dans les forêts. C'est certainement un des seuls inconvénients des cavaliers, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Tout le monde se déplace très mal dans la forêt. Hein. Même les unités qui sont à pied se déplacent très mal dans la forêt. Donc voilà. Hop, on avance tranquillement, 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 sans se prendre la tête. Voilà, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Toutes les unités une par une. Bon, on est obligé de faire avancer les unités une par une, on peut pas faire avancer une unité. Alors, voilà, une par une. Une par une, tranquille. Voilà. Île qui? Ok, voilà, on fait un petit île. On finit le tour. Eux aussi ils bougent. Voilà. On se trouve enfin face aux bandits. Donc, voilà. Hop. Vous avez remarqué, hein, durant les deux premiers chapitres, le prologue plus ce chapitre, les ennemis étaient souvent des bandits, donc ils maîtrisaient souvent la hache. Donc le plus profitable c'était les mecs à l'épée, donc les mecs à l'épée comme Sigurd ou Neusch et tout, et compagnie, donc voilà. Hop, on avance encore un tout petit peu. Parfait. Donc il y a des petits combats qui s'enclenchent, voilà. On fait avancer encore un peu tout le monde, un peu tout le monde. On se prend pas la tête. Voilà. Voilà. On fait avancer un peu tout le monde. Voilà. On fait quelques petites attaques. On fait avancer vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pour que tout le monde gagne un peu d'XP. Tuan, on fait avancer aussi. Diouf, on le fait avancer un peu. Voilà, parfait. Nickel.
J'ai pas envie de vous blesser. Disparaissez de ce territoire immédiatement. Ah merde. Noish se fait buter. Donc on va pas mettre Noish. Donc voilà, on va juste mettre. Hop. Voilà. J'ai refait un petit peu mon truc pour que ce soit un petit peu mieux. Voilà. Donc normalement ici personne ne meurt. Ah, ce qui est chaud, c'est que. C'est que Jamke a le Killer Bow. Le Killer Bow, en gros, ça donne. Ça... On a plus de chances d'avoir des coups critiques. C'est pas écrit de combien de pourcents, mais on a plus de chances. Donc voilà. Hop. Je sais pas, il faut parler avec qui pour avoir Jamke. Faut peut-être parler avec Sigurd ou Aidin. Hein. Mais bon, je sais plus très bien. Hop, c'est pas grave. On va essayer de le recruter parce que c'est un bon archer. Voilà. Hop, on va essayer de buter un peu tout le monde. Pour se faire un petit peu d'XP quand même. L'XP c'est très important dans le jeu. Voilà. On va buter un petit peu les gens tranquillement. Je crois qu'il faut lui parler soit avec Sigurd, soit avec Aidin. Si c'est avec Aidin, c'est un peu la dèche. Mais bon. Si c'est avec Aidin, c'est la dèche. Hein. S'il faut parler avec Aidin, c'est la dèche. Voilà, alors je vais taper un peu, voilà. C'est bon, parfait. J'ai quasiment fini mon tour. On va dégager un petit peu le personnage. On va mettre Diou devant. Voilà, super. Donc Noy se fait attaquer, voilà, ils se font attaquer. Ah, il a fait mal, hein. Alors, on va voir s'il faut... Je sais pas si c'est avec... Si c'est avec Sigurd qu'il faut parler. Non, il faut parler avec Aidin. Punaise, je me sens banane. Donc en fait, voilà, c'était bien avec Aidin qu'il fallait parler. Donc on va parler avec Aidin. Alors, Aidin. Alors, on va mettre un peu Finn derrière. On va mettre Alec un peu devant. Voilà. Super, il gagne un petit level. Il gagne un HP, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, bon, on va guérir un peu Finn. Donc là, il faut pas tuer Jamke. Hein. Jamke. Parce qu'en fait, si on tue Jamke, bon, on peut pas le recruter. Mais on peut le recruter, donc il faut mettre Aidin. Comme je vous ai dit, il faut mettre Aidin. Alors, on va guérir Noish. Voilà, super. On va guérir Noish. Voilà. On va mettre Midir un peu devant. Et c'est bon, parfait. Ah, il s'est fait agresser. Donc, oh non. Donc, on va faire autre chose. On va attaquer avec Midir. Ah, il est balèze, hein. Bon, en fait, non, on va rien faire. Voilà. Ah, faut pas mettre Lex. Ouais, bon, en gros, faut pas mettre Lex, pardon. Hop, on va mettre Aidin. Aira, on va la décaler. Voilà. Faut pas mettre Lex, parce que Lex, il est vraiment... Il se fait vraiment agresser par Jamke. Voilà. Voilà, là, ça marche, normalement. Et là, on va parler... Voilà un petit talk pour recruter le personnage. Attends, prince Jamke. Aidin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que t'allais persuader ton père. Mais là, ce que je vois en train... Attends, pardonnez-moi encore une fois. Ah, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué au jeu là, donc... Je pensais que t'allais dire que t'allais persuader ton père. Mais je te vois dans le champ de bataille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon père est un homme qui a changé. Mes mots ne peuvent plus l'atteindre. Tout a commencé avec ce sorcier, Sandima, qui est arrivé. Maintenant, ma famille entière obéit à ses ordres. C'est pour ça que je te demande, pourquoi es-tu venu sur le champ de bataille? S'il te plaît, Jamke, rejoins-nous et affrontons Verdan ensemble. Nous pouvons toujours raisonner le roi une autre fois, encore une fois. Nous pouvons arrêter cette guerre. Lord Sigurd ne veut pas conquérir Verdan. Il a juste combattu pour moi, pour me sauver. S'il te plaît, Jamke, s'il te plaît, je t'en conjure. Très bien. Si tu es prêt à aller aussi loin,
Je suis prêt à salir mon nom pour trahison. Mais je te fais bien comprendre que personne ne peut toucher à mon père. Oui, je te promets ça. Merci, Yamke. Tu es vraiment une personne. Tu es vraiment une bonne personne, Eldin. Bon, comme vous pouvez le voir, Yamke, qui est un des princes de Verdan, a trahi son peuple pour rejoindre Sigurd, qui est à peu près, qui est l'ennemi du peuple. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est le jeu, hein, on va dire. Attendez, Lord Sigurd, hein? Est-ce que c'est des Irdre? Oh, c'est dur à dire, des Irdre. Ah, ça doit donc être la forêt des esprits. Merci Dieu. Pour un moment, j'ai cru que j'allais plus jamais te voir. My Lord, écoutez, le prêtre noir Sandima garde le château de Verdan, oui, avec sa magie, avec sa mauvaise magie. Vous ne devez pas aller plus loin, vous allez certainement être tué. S'il vous plaît, n'allez pas plus loin. Mais si je n'y vais pas, mes hommes seront encore plus en danger. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Je vois. Alors j'irai avec vous. Pardon ? Ça s'appelle un staff qui a le pouvoir de faire silence. Tant que j'aurai mes pouvoirs, sa magie ne pourra pas vous atteindre. Ça va bloquer sa magie. Écoute, faites-moi confiance, monseigneur. Je vais vous assurer que sa magie noire ne blessera personne. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais de tels pouvoirs. Mais pourquoi m'aides-tu? J'ai essayé de vous oublier, mais c'était en vain. Je ne sais même plus ce que je dois faire. Pourquoi as-tu peur des Irdre? Diadora, vas-y, c'est mieux. Je ne comprends pas. Mais si toi et moi nous ressentons la même chose, alors nous n'avons rien à craindre. Je t'aime, Diadora. What the fuck? J'aimerais juste dire que ça fait juste 5 minutes qu'ils se sont rencontrés et Diadora. Et Sigurd est amoureux de Diadora. Il n'y a vraiment aucune logique dans le jeu. Hein. Bon. C'était pas très important. Donc Diadora, c'est une mage qui peut soigner. Voilà. Alors, il reste quoi? Oh, il reste des unités, hein, quand même. Alors, qui a le moins de level? Alors, on va entraîner Jou. On va entraîner Alec. Et on va entraîner Aira. Et il faut envoyer Lex à droite. Bon, ça, je vous dirai ça après. Parce que vous ne comprenez certainement pas pourquoi je dois envoyer Lex à droite. Donc, voilà. Hop, parfait. On va envoyer Sigurd. Et là, comme par hasard, vous remarquerez que le lover de Sigurd est Diadora. Bon. C'est pas grave. Hein. Hop. Alors. On va utiliser une petite magie. Alors, là, on va utiliser la magie. Hop, Warp. Pour que Yamke fasse la reine. Comme ça, il va XP un peu. Tout simplement. Voilà, il y a un petit bouchon. Comme vous pouvez le remarquer, ça s'appelle le bouchon obtus. Plus personne ne peut passer. Bon, bah voilà. Alors, on va mettre Aira devant. Diadora. La silence, hein. Faut utiliser silence, faut pas oublier. Donc Diadora est une personne très importante ici. Voilà. Sigurd, lui, va accompagner Diadora. Évidemment. Alors, Lex, Alec, on fait avancer. Eldin, on l'a fait un petit peu avancer. Hop. Lex aussi. Finn aussi. Hop, voilà, parfait. Et on va contrôler tout simplement Yamke. Et j'aimerais juste dire un truc. Yamke est ultra cheaté à cause de son arc qui fait critique. Donc normalement il devrait faire la reine sans trop de soucis. Normalement.
Voilà, c'est bien ce que j'avais prévu. Il arrache assez, hein. Il est assez cheaté. Donc voilà, il fait la reine sans trop de soucis. Grâce à son arc ultra cheaté. Le killer bow qui permet de faire des critiques. Et en plus, il y a une précision et un poids vraiment cheaté. Donc voilà. Donc maintenant, on peut avancer un petit peu. Voilà, super, nickel. Bon, Noish va taper ce petit bonhomme. Voilà. Aidé par Midir. Parfait. Alors, maintenant, Alec va taper lui. Voilà. Finn, non, non. Aera va avancer pour aider Sigurd. Lex, il va aller à droite pour avoir la hache des héros. Évidemment, c'est mieux d'avoir fait le jeu pour comprendre ce que je... ce que je dis, hein, parce que là, Lex, vous vous demandez peut-être pourquoi je l'amène alors qu'il est hyper cheaté et que je vais entraîner mes persos les plus faibles. Lex, en fait, je vais l'amener à droite ici, ou là, non, là, pardon. Et il va avoir la hache des héros. La hache des héros permet d'attaquer deux fois d'affilée. Comment je sais ça? J'ai déjà joué au jeu, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, tout simplement, il va avoir la hache des héros qui est une hache ultra méga cheatée qui permet d'attaquer deux fois d'affilée. Et c'est cheaté parce que attaquer deux fois d'affilée dans ce jeu, c'est très 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 cheaté. Donc voilà, Alec va finir ce bonhomme. Lex, il va aller là-bas pour avoir son arme. Finn va aller suivre. Aiden aussi. Donc Aera, on l'emmène là-bas. Bon, des fois, je dis vraiment des choses pas très intéressantes. Donc voilà, Diadora. Hop. Alors, on va regarder la portée du bonhomme. Hein. Ok. On va amener Sigurd près du château. Hop, voilà. On va ramener un peu la foule. Ah merde, je suis gouré. Merde, 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 merde. Bon, Sigurd, il va ramener un peu la foule, comme je l'avais dit. Voilà. Hop, tranquillement. Alors, on va regarder un peu... En fait, ça, c'est la portée d'un sort... un sort pour camper, quoi. En gros, dans toute cette zone, le mec il peut balancer un sort. Et Diadora sert justement parce qu'elle peut faire silence. Et silence, ça permet de bloquer la magie d'un ennemi. Sinon, lui, il a fait en rire et en gros, il peut endommager tout le monde. En plus, vu que c'est un magicien, le mec, il l'arrache à mort. Donc, voilà. Donc, Lex, on l'emmène là-bas pour avoir la hache des héros. Hop. Finn, on le fait avancer un petit peu, on va le guérir tranquillement, etc. Voilà. Alec, on l'emmène aussi. Aera, on la rapproche de Sigurd et compagnie. Sigurd, on le fait revenir pour que les autres puissent XP un petit peu. Hop, voilà, on va dans le buisson, tout le monde est content. Ah, ils sont pas cons, les bâtards. Après, ils campent. Oh, les gros bâtards. Ok, là c'est bon. Sigurd, il est tranquille. Il a une esquive de gros bâtard, Sigurd. Il a même plus d'esquive que Aera, hein, donc ça veut tout dire. Voilà. Bon, Lex, on l'emmène pour avoir la hache des héros. Voilà. Alors, Finn, on le rapproche un petit peu. Alec, il peut commencer à taper quelques petits ennemis. Bon, il fait pas beaucoup de dommages, mais voilà. Voilà. Aera attaque un peu aussi. Sigurd, bah, il est tranquille. Diadora, ça va aussi. Ah merde, il peut attaquer le boss. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Voilà, bon, c'est super. Donc on gagne un petit peu d'XP. Voilà, c'est ce que j'avais dit, hein. Je voulais XP un peu tout le monde. Alors, on s'en fout. Voilà, il me touche même pas en fait, ça sert à... Diadora ne sert absolument à rien parce que le mec il ne me touche même pas. Je vois même pas l'intérêt de Diadora en fait. On a la hache des héros. Ça c'est vraiment les jeux de l'époque, hein. Vous voyez, il faut connaître vraiment le jeu pour savoir qu'il faut emmener Lex ici pour avoir la hache des héros. Hein. Dans la plupart des JRPG à l'ancienne, il y a des petits trucs comme ça, c'est des petits secrets où il faut vraiment connaître le truc. Hein. Ou regarder une soluce tout simplement, mais là, j'ai pas regardé de soluce, je connaissais juste très bien le jeu. Bah, vous remarquerez, vu mes commentaires, que je connais assez bien le jeu, donc voilà. Merde, j'ai lâché mon hache. Qu'as-tu... Qu'est-ce que donc... Quelle est cette hache en or?
ou peut-être cette hache en argent. Non, mais mon hache n'est pas aussi bien que ces deux-là. C'est juste une hache en fer. Ouais. Une personne aussi honnête, en récompense, je vais te donner cette brave axe. Donc cette hache des héros. Merci. Adieu, Lord Lex. Aha. Cette personne connaissait qui était Lex. Hein. Si vous avez remarqué, parce que Lex est un des... C'est pas un roi, c'est un prince, je crois. Bon, je sais même plus en fait, mais voilà. Donc là, on va XP un peu fine. Voilà. Gagne quelques stats tranquille, merci. Alors. Diadora va enfin servir à quelque chose. Elle va balancer silence. C'est magique. Voilà, fais dodo. Hop. Alors, Alec est assez tranquille, lui va taper tranquillement des petits mobs. Voilà. Ah merde, c'est reçu des dégâts. Bon, en fait, non, Alec il va taper ce petit mob, voilà. Après, il va camper. Aera va se taper un peu tout le monde. Voilà, le couvert. Et Sigurd, il va conquérir le château tranquillou. Voilà. Et Edin, bon, on va essayer de pas se faire toucher, j'espère. Hop. Ah merde. Ah merde, Diadora se fait buter. C'est con, hein. Bon, en fait, Sigurd va protéger Diadora, pardonnez-moi. Je pensais pas que Diadora était aussi faible. Hein. Bon. Faut croire que je me suis trompé, en fait. C'est une faible, cette meuf. Donc, on va faire Warp. Parce que j'ai envie d'XP un peu Diadora, juste pour le plaisir personnel, en fait. Alors, Diadora. Ouais. Alors, on va faire l'arène avec Diadora. J'espère qu'elle va réussir, hein, l'arène. Bon, on va faire un petit peu l'arène. Bon, normalement elle devrait pouvoir gagner. Elle est assez forte, hein, tout de même. Oh non, en fait, non, c'est mort. En fait, contre le Swordmaster, comme vous pouvez le voir, elle a perdu parce que le Swordmaster, c'est vraiment un putain de bâtard. Bon, voilà. Alors, parfait. Alors, voilà, Alec tape ce petit mob, pas très important. Aera tape cet archer. Sigurd tape cet archer. Il avance un petit peu. Voilà. Finn tape ce commandant. Ah merde. C'est pas bon alors. Bah voilà, on va faire autre chose. Attendez, on va refaire un petit peu là l'histoire. Alors. Bon, faut d'abord taper les mecs à la hache parce qu'ils font vraiment mal. Voilà. Hop. Ah, les mecs à la hache, ils sont vraiment forts. Hein. Mine de rien. Donc voilà. Hop. C'est bon, j'ai fini la map. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de battre le boss, qui est assez simple à battre. Et c'est tout. Voilà. Aera. Tape ce petit mob. Toi aussi, Finn. Voilà, parfait. Edin va healer un petit peu. Ah, je vais faire un peu XP Etlin et Edin. En fait, en faisant return, vous allez voir qu'on XP beaucoup. Bah, 30 en fait, c'est beaucoup, hein, 30. Je vais faire un peu XP tout le monde. Alors, Alec attaque. Alec, vous avez remarqué, il fait vraiment pas de dégâts. Finn, on va l'envoyer avec Sigurd. Hop. Aera, on va attaquer. Hop. Voilà, super. Fait des dommages. Edin va XP un peu en envoyant tout le monde se faire warper. Ah, c'est le boss le plus simple du jeu parce qu'il peut pas contre-attaquer. Archbishop, Manfroi, pardonnez-moi. J'ai obtenu le Magic Ring qui permet d'avoir plus 5 en magie. Donc là, je capture le château. Et j'ai fini le premier chapitre du jeu. Messire, nous avons trouvé un blessé, bah un mort plutôt, dans le palace, dans le palais. C'est le roi Batur lui-même. Il est sévèrement blessé. En y regardant bien, il est vraiment quasiment mort.
King Batur, est-ce que vous allez bien? S'il vous plaît, allez, vous pouvez encore survivre. Lord Sigurd, je suis désolé que je t'ai infligé tout ça. J'ai laissé Sandima, me corrompre. Il a abusé de ma confiance. Et maintenant, mes enfants... tous mes enfants voulaient contrôler Verdan pour eux-mêmes. Je comprends, votre majesté, mais vous devez vous reposer, s'il vous plaît. Vous ne devez pas vous stresser inutilement. Non, c'est trop tard pour moi. Écoute bien mes mots, Sigurd. Il y a une dernière chose que je dois te dire. La misère ici, the griffe, je sais ça veut dire quoi. Punaise, je sais ça veut dire quoi, the griffe, mais je suis désolé, je vais encore chercher le mot sur internet. Griffe, alors attendez, the griffe. Je vais chercher la traduction du mot, comme ça, voilà, le chagrin, voilà. Le chagrin est en train de se répandre à travers Jugdral. C'est à cause du prêtre noir. C'est Blind Horward. Il nous cache le monde à partir de l'ombre. En fait, c'est eux qui tient les gens comme des marionnettes de l'ombre. Tout ça pour faire renaître leur dieu. Leur dieu sombre, Loptir. Sandima faisait partie de leur groupe. Il nous a induit en erreur pour qu'on fasse une guerre avec vous, les Grands Valois. Tout ça pour leur culte de folie. Les prêtres noirs, ils ont infecté chaque coin de notre monde, Sigurd. Reste vigilant ou sinon tu vas te faire avoir aussi. Je n'ai pas pu protéger les gens de Verdan, le peuple de Verdan. Sigurd, je t'en supplie. Magis Wright. Protège les gens, s'il te plaît. Oh, votre majesté. Le prêtre noir. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Donc là, je fais une petite sauvegarde du chapitre. Voilà. Ouf. Après vraiment ce long play, j'ai envie de dire, sur le premier chapitre de Fire Emblem 4 Seisen no Keifu, je suis content de pouvoir vous dire que je vais faire une bonne pause et que le prochain épisode sera dans assez longtemps parce que là, la map, elle a duré vraiment 20 plombes et demi. Donc voilà. Et le jeu sera de plus en plus loin. Je vous préviens, donc là les deux premières maps, la première map était très courte, la deuxième un peu courte. Après ça va être encore pire, faudra même faire des allers-retours des fois. Donc bon, heureusement qu'il y a la magie des magiciennes qui permettent de warp ou de return, mais sinon c'est vraiment compliqué. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Bon, je sais que je bégaye vraiment beaucoup et que je fais beaucoup de E parce que je suis en train de réfléchir à la traduction parfois. Et je préfère faire des E que de rien dire. Ça fait un peu bizarre de rien dire. Imaginez par exemple, là je suis en train de traduire cette phrase, j'ai dans ma tête. Donc je dis rien pendant 20 secondes. C'est mieux de faire des E et d'essayer de mettre un peu de texte et tout que de rien dire. Bon, on verra bien. Donc voilà, sur ce, bonne journée. Moi je vais faire une longue pause de ce jeu, j'en ai assez marre. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous, salut, à plus.